trading sur le mois de février, sur la paire US30 en scalping. Donc ça va être plutôt pas mal. Moi j'ai paramétré donc du 1er février au 28 février. Donc là on va faire un replay. Et c'est parti. Donc voilà, on a commencé le 1er février. On a eu un trade perdant. On a eu un trade gagnant. Et un trade gagnant. Donc ça fait deux trades gagnants, un trade perdant. Le trade perdant, c'est 1%. Trade gagnant, 1%. Trade gagnant 11%, donc ça nous fait 12% moins 1%, ça nous fait 11% sur le mois de février en scalping. Donc voilà, vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Pour tous ceux qui veulent avoir accès à l'indicateur ainsi qu'à la stratégie de scalping, c'est très simple, vous allez avoir un lien en description. Vous appuyez là-dessus et vous pourrez directement contacter mon équipe qui va vous guider au mieux pour avoir votre indicateur. Sinon, pour les prochaines vidéos, mettez en commentaire si vous avez des idées de paires que je pourrais trader avec mon indicateur. Et comme ça, la prochaine vidéo, bah, elle sera tirée au sort par rapport aux différentes paires que vous allez citer en commentaire. En tout cas, sur ce, abonnez-vous, mettez la cloche de notification pour ne rien rater sur les prochaines vidéos et on se dit à bientôt.